Ce matin, sur le domaine, commence la récolte du Vermentino. Un raisin blanc typique de l'Orvieto. Voilà une belle grappe de Vermentino. Quand les pépins prennent cette couleur marron, c'est qu'il est parfait. Le vin blanc de De Cugnano est aujourd'hui réputé dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Son succès, il le doit à un terroir très particulier. On dit de ce vin qu'il a le parfum de la mer. On est pourtant ici à plus de 50 km de la Méditerranée. L'explication se trouve dans la terre. Oh, ecco qua. Ecco, questa è un'ostrica. Voilà. Ça, c'est une huître. Et ça, c'est un escargot de mer. On a de la chance, il n'est pas cassé. L'huître, par contre, est abîmée. C'est une huître géante. Regardez comme elle est grosse. Et quel âge a-t-elle? 2,5 millions d'années, peut-être plus. C'est incroyable, l'histoire de ces coquillages. Ici, il y a plusieurs millions d'années, c'était une mer. Ces coquillages donnent des minéraux aux vignes, des minéraux que l'on va retrouver dans le raisin, puis dans le vin. C'est pour cela que l'on trouve des goûts salins qui viennent de la mer, une sorte de sensation marine. Quand on déguste le vin, on a parfois l'impression que c'est un vin produit en bord de mer, alors que l'on est bien loin de la côte, à 350 mètres d'altitude. Je pense que c'est ça notre trésor. Ce qui fait que le vin de De Cugnano est unique, ce sont ses coquillages et ce passé marin.